Salut à tous et à toutes, donc c'est Freeze, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, donc cette vidéo qui était normalement prévue depuis 2 jours facilement. C'est une vidéo à peu près récapitulative, encore une. Bon là c'est plus trop sur la. Bah, c'est un peu sur la chaîne, mais c'est plus trop comme la dernière. Je vais essayer de faire une vidéo comme ça en fait toutes les semaines, parce que à la base j'étais parti sur une tous les mois, mais en fait une toutes les semaines pour plus ou moins quand même essayer de rester proche de vous. Je pense que ça peut faire plaisir à certains. Et ça, justement, comme je vous disais, ça alterne par rapport aux vidéos. Et c'est mieux que de tout le temps du colis, tout le temps du colis, tout le temps du colis. Donc, comme vous avez pu voir dans une de mes anciennes vidéos, donc la vidéo de hier, l'EK est passé 190. Donc là, il est actuellement à 4%. Ce qui est bien. Il faut encore que l'XP du 120 millions. Du 120 millions, ce qui représente à peu près 40 combats de collision gagnés. On sait avoir. Je suis toujours en rose, la Sabalota c'est toujours pas fini. De toute façon, ce sera fini à la prochaine mise à jour. Sur la chaîne, on est actuellement à 88 abonnés. Ça a vachement vite augmenté en une semaine. Je pense que c'est avec les vacances. Bientôt on approche des 100 abonnés et je pense faire une vidéo spéciale. J'ai pas encore trouvé d'idée, j'ai intérêt de me dépêcher. Au début je pensais faire une vidéo IRL sur moi et sur la belle vue dans laquelle je joue pour pouvoir capter le wifi. Mais savoir, c'est à encore réfléchir. Nous avons dépassé les 7000 vues en tout des vidéos. Ce qui est pour moi très bien, 7000 vues en 2 mois, pour commencer, c'est déjà pas mal. Sachant que Dofus, que les vidéos commentées Dofus, on n'est qu'une dizaine à en faire. Le précurseur de la chose, c'est surtout, excusez-moi, c'est surtout Healer. Donc de vidéos Fus, c'est surtout Healer, mais je suis conscient que. Je suis peut-être un des moins connus des 10, sachant que j'ai que 86 abonnés. Par exemple, il y en a qui ont déjà 300 et qui ont déjà 20 000 vues. Je me considère comme un des meilleurs dans la chose, tout simplement, parce que déjà, je vous propose une vidéo tous les jours, tandis que certains ne vous proposent déjà qu'une vidéo une fois par semaine. Donc après, ça dépend le temps qu'ils ont et tout ça, mais je pense que déjà il est important de pouvoir proposer, excusez-moi, ma montre vient de tomber, il est important de vous proposer un contenu de qualité et assez fréquemment pour conserver ses abonnés, sachant aussi que je ne fais aucune pub, que je ne fais aucune pub nulle part. J'ai fait ma présentation rapidement sur le forum de Diol et sur le forum de Dofus. Je me suis vite en arrêt, donc après j'ai pas essayé de faire plus que ça. La vidéo, attendez, la vidéo que j'ai sortie sur le retour de Chateaufou, c'est un très beau. Je m'attendais pas à autant de vues, vous voyez. 1265 vues, je m'attendais peut-être à 200 vues ou une chose comme ça. J'étais très étonné, même rien que le soir. J'étais rendu à 500 vues, donc 7 j'aime et 1 j'aime pas. Alors oui, ça peut pas plaire à tout le monde. Et puis voilà. En même temps aussi, j'avais quand même posté sur le blog de Chateaufou pour lui montrer comme ça. J'ai été très surpris en regardant le lendemain son blog pour regarder ses articles. Lui qui poste un article à peu près tous les jours maintenant, et j'étais très étonné de trouver mon lien sur son blog. Donc je pense qu'il a fait quand même pas mal booster les vues. Et aussi non, Healer, moi je suis à 1200, lui il est à 2855. Bon, déjà rien que parce qu'il est déjà plus connu que moi. Donc voilà, sinon je pense qu'on en a fini avec les actualités de la chaîne. Je pense que je vois beaucoup de youtubeurs même qui sont pas sur Dofus, qui sont sur des jeux avant une introduction.
Moi, je sais pas, je trouve pas ça tellement bien d'avoir une introduction ou vraiment une introduction de 5 secondes maximum, très professionnelle pour montrer juste mon nom, vous voyez, rien de plus. Et franchement, moi je me connais pas trop dans After Effects et tout ça. Donc voilà, donc je pense que pour le moment je vais continuer sans intro, c'est pas plus mal. De toute façon, les gens ils ont pas besoin de me reconnaître. À chaque début de vidéo, je dis que c'est Freeze et je pense que là ça suffit. Donc sinon, comme vous pouvez voir, j'ai changé le logo. Ça par contre, c'est un logo fait par moi. Bon, c'est complètement moche, hein, comme vous pouvez le voir, mais je m'en fiche. Ça m'a bien plu de le faire. Donc avant c'était un SRAM, un SRAM femelle. Un SRAM femelle qui était à ma place, que j'ai bien aimé. Mais maintenant, en fait, j'ai fait deux F à l'envers avec mon Eka au milieu et une couronne, parce que je suis le dieu, le god, le roi, le king of Eka. Non, bah voilà, c'était juste pour le trip. Donc, il est présent sur ma chaîne maintenant, donc il est dans les thèmes de couleurs de la chaîne. Comme vous pouvez le voir, il s'affiche pas là, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Oh, sinon, j'ai décroché un partenariat avec Bayou.fr, donc c'est un petit partenariat, hein. C'est lui il m'a mis dans son site, et moi j'ai mis du coup son lien sur mon background. Et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure sur le background, retrouvez FreeSteam sur Facebook. Donc j'ai ouvert ma page Facebook que je mets à jour à peu près tous les jours. Et je vous invite d'ailleurs à aimer cette page Facebook. Donc on n'est pas beaucoup, on n'est que 7 personnes à aimer. Donc voilà. Sinon, niveau partenariat de chaîne, donc je voulais surtout décrocher des partenariats avec des sites en fonction de Dofus, mais j'attends d'atteindre à peu près les 1000 vues par jour, donc les 1000 vues sur la chaîne par jour, et non les 1000 vues par vidéo, pour pouvoir décrocher un contrat avec TGN, qui est un partenariat avec pour YouTube. Je vous expliquerai un peu plus tard. Et c'était, si je me trompe pas, pour décrocher un partenariat YouTube, c'est à partir d'à peu près 300 000 vues. Je suis quand même un peu loin, mais pour moi ça c'est pas le plus important, c'est de vous faire des vidéos et d'avoir des commentaires positifs. Ça me fait le plus plaisir. Sinon, certaines personnes aussi m'avaient demandé de montrer ce que faisait Felation. Donc Felation sur mon Eka, ça fait du moins 443, donc juste boosté avec roue de la fortune, moins 443 et moins 412, et ça me soigne moitié que ce tape, quoi, donc du 221, là ça devait me soigner à peu près. Donc voilà, c'est un assez gros rocks. En plus c'est un sort qui se lance à 4 cases de l'ennemi et qui le fait reculer de 2 cases et qui soigne mon écart, donc ce qui peut être pas mal. Donc voilà. Sinon, IG, on m'avait demandé qu'est-ce que tu feras avec les cas. Est-ce que tu prendras le Kim? Donc oui, je prendrai le Kim, mais je vais garder aussi le masque de Voodoo Thierry, tout simplement pour les résistances Terre. Et je prendrai le Kim pour les résistances feu, ce qui me fera à peu près du 30 feu et du 30 terre. En plus avec le voile d'encre, ça me fera à peu près si je mets le voile d'encre avec le Kim, ça fera du 30, du 10 neutre, du 30 terre, du 40 feu, du 20 eau et du 10 air. Donc ça dépend contre qui je tombe. En fait, je changerai les résistances. Donc voilà. Donc comme vous voyez, j'ai toujours pas enlevé mon défaveur, faut que je fasse, parce qu'en plus j'ai les jetons pour le faire. J'ai 2776 jetons, donc je vais le faire quand même. Donc voilà. Sinon, sur Alteria, vous aurez pu voir que Shatoku a fait un donjon en arène. Mais voilà, donc j'étais sur Mayman avec mon petit roublard Freeze Test, parce qu'à une époque je voulais comment dire, migrer vers Mayman. En fait, j'ai pas fait, je préfère rester sur mon petit serveur de mobilette. Donc voilà, j'ai enregistré la vidéo de son Tengu. Donc il a fait le Tengu, le Fuji Tengu, le Tengu Fuji, bon, on s'en fiche,
en moins de 10 minutes. Donc si vous voulez voir le combat, faut me dire, hein, je vous le mettrai. D'abord, je vais demander en même temps l'accord de Châteaufroux par commentaire. S'il me répond, on verra. On verra bien. Donc voilà, beau combat de 10 minutes, il est resté, il a dit bonjour, il s'est barré. Hein. Il a fini le combat, il s'est barré, il a réussi aucun châle, c'était histoire de le faire. Donc voilà. Oh sinon, niveau Dofus, ça je laisse le truc à une heure. C'est que t'as une tête de gland, t'as pas toi. À une heure de faire ça, mais c'était juste pour vous informer que l'Ankama Convention 7, c'était le 19 et le 20 mai 2012 à Lyon. Donc moi personnellement j'y serai pas, à moins que ma chaîne YouTube prenne une ampleur extraordinaire et que j'ai atteint les 2 millions de vues, etc. Les 100 000 abonnés. Non, tout simplement j'y serai pas parce que normalement je serai en train de travailler et Lyon ça fait un peu loin de chez moi. Donc voilà, si un jour c'est peut-être à Paris, à Nantes, à Rennes, voire à Bordeaux, je pourrais m'y rendre, mais là pour le moment Lyon ça fait un peu loin. Donc on verra bien, hein. De toute façon il n'est pas dit non plus que je vous offrirai pas des places dans un concours. Je vous dis, ça dépend comment l'ampleur que la chaîne prend. Peut-être que j'y serai, peut-être que je serai avec mon petit stand. Freesteam, chaîne YouTube, ouais. Donc on verra bien. Bon, bah j'espère que cette vidéo récapitulative vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine avec mon écart rose bonbon trop mimi. Oh oui, t'es trop mimi. Allez, bye tout le monde, à la prochaine.